Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver avec un nouvel update lecture. Je vais vous partager 4 lectures que j'ai faites récemment. Pourquoi 4? Parce qu'en fait il y a un abandon, du coup j'ai envie de l'introduire. Je ne vais pas vous partager 2 lectures et demie dans un update lecture, mais quand même avoir assez de recommandations à vous faire dans cette vidéo. Donc d'ores et déjà j'espère que celle-ci vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de me dire en commentaire si vous avez lu un des livres dont je vais vous parler aujourd'hui et ce que vous en avez pensé. Alors le premier livre dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Petit éloge de la lecture de PEF. C'est celui-ci que j'ai abandonné. C'est un court essai que j'ai emprunté à la médiathèque. Alors PEF, c'est un acteur, comédien, metteur en scène. Je m'attendais à un essai un petit peu dans le genre de ce qu'a pu faire Bernard Pivot. Et en fait, c'était pas extraordinaire, c'était fouillis. En fait, l'acteur, donc PEF, partage énormément d'anecdotes en lien plus ou moins avec la lecture. C'est pas toujours le cas et c'est un espèce de fouillis de ses pensées, d'événements qui lui arrivent, d'anecdotes, etc. Il y a certains passages qui sont plutôt jolis, mais sans non plus que ça casse des briques, donc je l'ai abandonné à 80 pages sur 130 parce que j'ai pas trouvé plus d'intérêt que ça à cette lecture, donc je suis un petit peu dépitée. Ensuite, j'ai lu un des romans de la rentrée littéraire, j'ai lu le dernier Amélie Nothomb, Psychopompe, qui est un récit autobiographique où on va suivre Amélie Nothomb à travers toute son enfance et je crois que ça s'arrête à peu près quand elle est jeune adulte. Et surtout, un gros passage du roman est consacré au viol qu'elle a subi quand elle avait 12 ans, je crois, et qu'elle était installée avec sa famille au Bangladesh, puisque son père était diplomate et donc elle a voyagé toute son enfance à travers le monde. Et du coup, dans ce roman, elle va à la fois nous partager sa passion pour les oiseaux, qu'elle a eue dès le plus jeune âge, sa vie un petit peu à travers le monde de fille de diplomate et surtout cet événement tragique qui lui est arrivé sur cette plage du Bangladesh où elle a été violée par des hommes et les conséquences que ça a pu avoir après dans sa vie de jeune femme, son anorexie mentale par exemple, sa découverte de l'écriture. Alors j'ai trouvé l'œuvre intéressante. Il y a beaucoup de passages qui sont vraiment très très beaux. Elle parle du coup de son traumatisme avec beaucoup de pudeur. Le viol est présenté d'ailleurs sous forme de métaphore. Et je pense que ça parlera à beaucoup de victimes puisqu'elle parle notamment de la réception de cette catastrophe par sa mère qui lui dira à ce moment-là « pauvre petite ». Et dans une interview, elle disait justement que heureusement que sa mère lui avait dit ces paroles-là parce que sinon elle avait l'impression d'avoir complètement... rêver en fait ce qui lui était arrivé, plutôt faire un espèce de cauchemar, halluciné devant l'énormité de ce qui lui était arrivé. S'il n'y avait pas eu ce retour de sa mère, elle aurait vécu avec ça au-dessus de son épaule comme une culpabilité en fait qui est malheureusement le lot de beaucoup de victimes. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture, même si c'est pas un coup de cœur, parce que je préfère en général ce que fait Amélie Nothomb avec la fiction, où elle s'éloigne un petit peu plus de l'autobiographie. Ensuite, je vous parle de 2 livres que j'ai terminés là, maintenant, tout de suite. J'ai tout d'abord terminé le premier tome de la trilogie de la brume de Carlos Ruiz Zafón, que je lis en espagnol, donc Le Prince de la Brume. Dans cette histoire, on va suivre une famille qui va s'installer dans un manoir en bord de mer pour fuir la guerre. Ils vont s'installer dans cette maison, sauf qu'ils vont découvrir que les anciens propriétaires ont connu un drame tragique, un enfant qui s'est noyé dans la mer. Et dans la famille, il y a 3 enfants, dont Max, le petit garçon, le héros du roman, qui va découvrir un jardin de statues pas loin du manoir. Il va y avoir pas mal de fantastiques, de mystères. L'auteur le dit lui-même dans sa préface, il s'adressait plutôt à la jeunesse et ça se ressent, le ton est plutôt jeunesse. Mais par contre, j'ai passé un très bon moment, l'ambiance est très réussie puisqu'on est dans ce petit village en bord de mer avec cette apparition du fantastique. On a tous les codes du fantastique. Par contre, là, du coup, il n'y a pas forcément énormément d'originalité. Il y a le clown, il y a le cimetière, il y a le jardin de statues, il y a les fantômes, il y a les cauchemars, il y a cette bande de jeunes qui vont devenir copains, qui font du vélo ensemble, enfin voilà, c'est assez classique hein, dans la forme, mais c'était quand même très agréable et de le lire en espagnol c'était hyper accessible, donc j'ai passé un très très bon moment. La fin est sympa, elle est tragique, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, même si dans mon cœur la saga du cimetière des livres oubliés reste en tête. J'ai hâte de quand même poursuivre cette saga de la brume. Enfin, le dernier livre dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est Funérailles Célestes de Xin Ran. Xin Ran, c'est une journaliste et écrivaine chinoise. Ce livre, ça faisait un petit moment que je l'avais dans ma pile à lire. Je l'ai lu à l'occasion du Pumpkin Mountain Challenge, comme celui-ci d'ailleurs. Celui-là aussi, Le Prince de la Brume, je l'ai lu aussi pour le Pumpkin.
J'ai beaucoup beaucoup aimé ce petit livre. On va être avec une journaliste qui va nous raconter le récit de vie d'une chinoise qui était médecin et venait de se marier avec un médecin aussi qui a été envoyé sur le front au Tibet donc dans les années 50, et malheureusement elle a appris qu'il était décédé sur le terrain, mais les autorités chinoises à l'époque n'ont pas pu lui donner plus de détails que ça sur la mort de son mari, et du coup elle a décidé d'aller sur ses traces et d'essayer de le retrouver parce qu'elle n'était pas persuadée qu'il soit mort. Elle avait l'impression qu'il était porté disparu et qu'au final on l'avait déclaré mort. Elle part pour un périple qui va finalement durer plusieurs décennies puisqu'elle va être recueillie par une famille au Tibet, et ça va être un voyage au Tibet vraiment merveilleux où on découvre toutes les us et coutumes de ce pays. On va découvrir les rivalités, les ressemblances, les dissemblances entre le peuple chinois et tibétain, et on finit par découvrir ce qui est arrivé à son mari qui était porté disparu, et c'est vraiment très très beau. J'ai adoré, j'adore la littérature chinoise, j'avais adoré La joueuse de Go de Qinsha. Je crois que c'est ça, je vous mettrai la couverture juste ici. Et là, c'est encore une fois un coup de cœur. La plume est limpide, c'est simple, c'est un style qui va droit au cœur, mais plein de poésie et de beauté. Ça ressemble un peu à la littérature japonaise de ce côté-là, mais c'est encore un peu différent. Donc je vous recommande vraiment de vous pencher dessus sur la littérature chinoise si vous ne connaissez pas. Je trouve qu'il y a un sens de l'épique, du romantique aussi, qui est très particulier. Il y a une espèce de mise en abîme qui est très réussie. En conclusion, je vous recommande à 200% ce court roman de Xinran, et c'est une autrice que j'ai hâte de découvrir davantage. Funérailles Célestes, en plus le titre est merveilleux. Funérailles Célestes, c'est en référence à un rite funéraire typique du Tibet que je vous laisserai découvrir avec cette lecture, qui est superbement bien écrite, originale, qui vous offre un dépaysement incroyable, magnifique. Beaucoup d'émotions, de bouleversements, et avec des personnages notamment féminins qui sont hyper charismatiques, à qui il arrive énormément de choses. Je pense qu'il a dû être adapté au cinéma parce que vraiment, je le vois vraiment bien en film. C'est tout pour cette update lecture, j'espère que je vous aurai fait découvrir certains romans, certains auteurs. Je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo, d'ici là, lisez bien. They tell me that I'm never gonna make it.